On est à Digne pour la compétition des VM. Oui. Tu te sens prêt ? Je me sens prêt, ouais, je pense. En tout cas, je suis en forme, tout va bien. Tu vas mieux que les huit derniers mois, un peu... Bah ouais, ça y est, hein, j'ai plus de bobos. J'ai passé 8 mois en rééducation après une opération du genou gauche. Du coup, moralement, c'était dur, mais là, j'ai la patate parce que la santé va bien. Okay. Qu'est-ce que tu attends de cette compétition ? J'attends de bien skier. J'aimerais bien faire le run que j'ai prévu de faire, arriver en bas sur mes pieds, et puis après on verra le résultat. L'objectif c'est d'être sur le podium et pourquoi pas gagner, mais ça va être dur. D'accord. Et tu organises un événement juste après ? Tu peux nous en parler un petit peu ? Bah en fait, on a fait beaucoup de compétitions toute cette année, tout l'hiver. Et pour un peu décompresser et puis voilà, faire un événement un peu sympathique, j'organise une grosse session sur des énormes jumps à la plane chez moi. On a fabriqué 3 gros énormes jumps et j'invite tous les meilleurs skieurs du monde à s'éclater sur les jumps pendant 2 jours. Skier, après faire des bonnes bouffes, on va montrer ce que c'est la nourriture aux Américains, faire du bobsleigh, faire un peu la fête, voilà, ça va être cool. Tu attends qui en invité pour cet événement ? Bah, y a beaucoup d'invités, en tout il y a plus de 20 médailles au X Games, donc ça fait pas mal. Il y a David Wise, l'américain, qui gagne tout. Il y a Jesse Wells, le néo-zélandais qui a fait un podium hier sur le slopestyle. Il y a Sean Pullitt, une légende du backcountry. J'en ai plein, donc c'est cool, je suis content. Un bon plateau. C'est ta seconde année que tu organises cet événement ? C'est la première année que je l'organise. Je croise les doigts pour qu'on ait du beau temps, parce que si on a du beau temps, ça va être une des meilleures sessions qu'on aura jamais eu l'occasion de faire. Pour tout cet événement, j'imagine que tu es super équipé. Tu peux nous parler un petit peu des appareils mobiles qui te suivent à chaque fois ? Bah déjà, l'appareil mobile qui me suit le plus, c'est mon iPhone 5. On a beaucoup de coups de fil à passer. En même temps, j'ai ma musique dedans, j'ai mes applications, j'ai tout là-dedans. Il y a ma vie là-dedans. Après, il y a mon casque Beats. C'est la musique, c'est une grosse partie de ma vie quand même, parce que avant les compétitions, après, pour me concentrer, j'en ai besoin. Donc j'écoute pas mal de musique pour me donner la pêche, quoi. Puis sinon, j'ai mon ordi aussi. D'accord. Tu as un blog, c'est ça ? J'ai un blog qui s'appelle, avec un ami à moi, avec Xavier Bertoni, qui s'appelle followus.tv. On se filme toute l'année et on a un caméraman qui nous filme toute l'année et on essaye de faire à peu près 2 épisodes par mois sur notre vie, sur nos compétitions, nos entraînements, nos conneries. Quel est le nom de ce blog ? Ça s'appelle followus.tv. D'accord. Toute ta vie un petit peu sur les terrains. Exactement. Toute la vie mise en image, mise sur des montages de qualité. Et voilà, on essaye de faire ça. Ça fait 4 ans maintenant. Ça marche plutôt bien, on est content. Et je vois que tu as une belle paire de ski à côté de toi. Tu peux nous en parler ? Yes. Alors ça, c'est le nouveau design que Soch m'a fait pour CX Games. C'est un jeu concours en fait sur Internet. Ils ont proposé 3 designs. Et ils ont fait voter par les internautes. Et il se trouve que c'est ce design qui a gagné. Donc c'est avec ça que j'ai essayé de remporter une X-Games. Alors je vais te demander un peu quelles sont tes 5 applications sur lesquelles tu peux vivre. Je vais passer les 5 applications. Tu vas me présenter. Alors la première application, on va dire, c'est Facebook. Facebook, parce que je mets un petit peu mon actu dessus, les gens me suivent, j'ai une page de fans où les gens peuvent voir un petit peu ce que je fais, et c'est bien de pouvoir rester proche des fans. Après, il y a Instagram, j'essaye de faire un petit peu l'artiste, de faire des belles photos, un petit peu artistique, tu vois, ce genre de trucs. Quel est ton Instagram pour te suivre ? Kevin, tiré du bas, Roland. Parfait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a Skype, mine de rien, c'est cool, Skype, tu peux parler sur ton téléphone. Et là, j'ai une nouvelle application pour quand je suis à Paris, qui s'appelle Mon Club Chauffeur. Et ça, c'est cool parce que les taxis parisiens, c'est toujours un peu la galère. Et eux, ils viennent où tu es, ils arrivent costard-cravate dans une belle voiture, et puis c'est pas plus cher que les tacos. D'accord, parfait. Quoi d'autre ? Talk to Us. Ah oui, ça, c'est une application, mais c'est que pour moi.
D'accord. Personne ne peut télécharger. En fait, les gens qui veulent nous parler, grâce à notre blog followers.tv, qui veulent nous poser des questions, ils vont sur notre blog followers.tv, nous posent les questions qu'ils veulent. Nous, on reçoit les questions sur cette application. On clique sur la question, on se filme directement avec l'iPhone. Regardez par exemple, où allez-vous vous entraîner avant les X-Games? Pouf, je clique sur la question. Hop, après je me filme. Je me filme, je réponds à la question. Je l'envoie par mail et pouf, elle apparaît sur le site web. D'accord. Comment tu l'as développé cette application? Bah avec des développeurs d'applications. Exactement. Voilà. Ok, et la dernière? Et la dernière, bah, localiser, c'est pas mal. C'est quand un pote à toi il perd son iPhone, tu rentres son compte iTunes et t'arrives à savoir exactement où il est. T'as beaucoup d'amis qui perdent leur iPhone? Bah pas plus tard qu'hier, j'ai mon pote Louis Garnier, mon photographe, il a pas de tête, il a perdu son iPhone, on a réussi à le retrouver grâce à ça. Il était dans un canapé du Diva entre les poussins. Super, merci Kevin. D'accord.